dans un livre qui s'appelle Avodat HaKodesh. C'est un recueil de plusieurs livres et il y a un livre qui s'appelle dans ce livre Avodat HaKodesh, Tziporen Shamir. Là-bas au chapitre, on va voir quel chapitre, je pense chapitre 6. Voilà. Il parle des choses relatives à Shmirat Abrit. D'abord, il dit que si quelqu'un touche la brite, alors il touche beaucoup tout son naran. Naran, c'est Nefesh Ruach Neshama. Donc toute la stature spirituelle de l'être humain, elle dépend de la base. La base, c'est Yesod. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu agit dans le monde au moyen de 10 voies de conduite. 3 correspondent à notre cerveau. Chochma Bina Vadat, Chesed Gvura Tiferet, Hod Netzar Hod selon les jambes, Yesod c'est l'organe sexuel. Et comme ce nom l'indique en hébreu, Yesod. Yesod signifie base. Or, quand tu touches la base d'un édifice, qu'est-ce qui se passe? Tout l'édifice s'écroule. Donc, quand quelqu'un touche l'Oalechem, la brite, alors il touche toute sa personnalité, tout son être est touché par cela. Attention, surtout Yatshuva. Aujourd'hui, rares sont les personnes qui n'ont pas touché la brite. On est dans une société où, comme j'expliquais l'autre jour, c'est le système D du mal. D'accord? On est proche de la fin, donc le mal se déchaîne. Et les épreuves qu'on a au niveau de la brite sont les grandes épreuves de la génération. Mais celui qui fait attention dans cette période-là, alors c'est certain qu'il gagne beaucoup plus que les autres. D'accord, El Shomer Brit, à l'époque où les femmes portaient toute une djellaba qui arrivait sous les talons, c'est différent que notre époque où les femmes ne s'habillent plus. Beaucoup. Pardon? Je n'ai pas compris ce que tu dis. Touche. Quelle phrase j'ai dit? Toucher, toucher quoi? Toucher la Brit? Non, c'est-à-dire que faire. Il a touché, ça veut dire il a cassé. Il a cassé sa perfection au niveau de la brite. Ça peut être du moins grave au plus grave. Rien que les pensées déjà, c'est déjà en soi un interdit. Je touche la brite. Toucher, je ne parle pas le physique. Je parle au niveau de toucher la partie de notre personnalité qui s'appelle le Yesod. Ça commence par les pensées. Après, ça passe par la parole. Après, ça passe par les positions nocturnes involontaires. Après, ça passe par les positions nocturnes ou diurnes volontaires. Après, ça passe avec les filles, avec sans relation, après avec relation. Et dans les filles, tu as Nida, la juive, c'est Karet. Tu as la Goya, c'est Karet des Rabanan, et c'est d'après le voir plus grave que la Goya. Et puis après, tu as la fréquence, et la folie, et le machin, et d'accord, chamiche mort. Il y en a qui s'en remettent jamais. C'est... La pollution volontaire, c'est moins grave que la cible. C'est pas marqué dans l'œuvre. Sans break, c'est moins grave. C'est mita bedeshamaim. Alors que les filles, c'est quand même ouka, c'est karet. Karet. Oui. Si on est dans une situation hypothétique, où j'ai l'obligation, je suis dans une situation, j'ai l'obligation, soit là je vais être avec une fille, mais je vais rien faire avec elle. Enfin, je ne vais pas faire d'interdit sexuel avec elle, soit Zera Levatala volontaire. Il est obligé de le faire. C'est quoi, tu ne vas rien faire avec elle? Non, tu vas boire un pot? Rien, aucun interdit sexuel avec elle, à proprement parler. Quoi. Elle a touché, tu veux dire? Elle a touché, ouais. Elle a fini, hein? J'aime pas ces questions. C'est comme si, qu'est-ce qu'il préfère de manger, du hippopotame ou du kangourou? C'est dur à trancher. Un est très fa, l'autre est névela. Un, c'est mitabide shamaim, mais c'est très grave, dans le botala. L'autre, c'est un lave de horaita, de yareg balé avor, mais vous surtout que les transgressés, ce qui n'est pas le cas des erreurs de botala. Et surtout que, forcément, il aura après une position nocturne, il ne faut pas rêver. Non, parce que les batailles, c'est quand même quelque chose de très très dur. Les deux, c'est pourri. Tire-le au Beth Midrash et tu la Torah, voilà, gamin, non.
Ken. Une personne qui a vraiment du mal à se contrôler, est-ce que... À se retenir. Ouais. Contrôler. Est-ce qu'elle veut prendre du gros mieux? Ouais. Sérieux? Bien sûr. Ah, y a aucun... Pourquoi pas? Hein? Ça rend stérile. J'ai demandé, on m'a dit non. Ça rend stérile? Mais l'armée donnait ça en France. Ouais, si on le contrôle, genre, ils vont défendre un délit. Si c'est contre-indiqué, alors il y a un problème. Non, on n'a pas le droit de toucher notre santé, on n'a pas le droit de se rendre à car, c'est-à-dire impotent. Le balayer à car. Avec la Torah, quoi. C'est vraiment. Traîne au Botamidrash. Ça marche pas en tous les cas. Ça marche. C'est que tu ne le traînes pas. Parce que le traîne au Botamidrash, tu t'assieds jour et nuit, c'est magique. J'ai eu des élèves qui étaient des accros. Ils m'ont dit, je ne comprends pas. Ça fait 6 mois que je suis ici, j'ai rien. C'est biologiquement impossible. Mais il faut devenir accro. Vas-y, je te dis. Entre-temps, viens, casse-toi. C'est rapide. On peut faire une tchouva rapide. C'est pas 40 000 ans. Tu décides maintenant, voilà, pendant 2 mois, je me défonce en Torah. Tu seras quelqu'un d'autre. Méconnaissable. La lumière sur ton visage. Tente le coup. Dieu nous donne maintenant, c'est marqué que ce Yetzer Hara, il est fait de feu. Tu me dis, on n'arrive pas à se dominer. Normal, c'est du feu. C'est quoi du feu? C'est un... du feu. Tu te sens, t'es chaud. Tu n'arrives pas à te retenir. Et Dieu dit, vous êtes fait de chair. Or, quand on met du feu et de la chair, qu'est-ce que ça fait? Ça brûle. No chance, dit la Gemara. T'as aucune chance. Contre lui, t'es fichu. Fais une douche froide, ça sert à rien. Gilgou l'échelle, il y aura la neige, tonton la neige. Ça continue la même chose. Tatoue la tête dans le mur, ça continue. Dieu dit, j'ai créé l'antidote. Il s'appelle Torah, qui est fait de feu aussi. Comme il est dit, Ko dvaray ka'esh neum Hashem. Comme c'est ma parole, comme du feu. Donc si Dieu vient et te dit, Jacob, il n'y a pas de remède à ça. Il n'y en a pas. Le seul, c'est ma Torah. Tu crois qu'il y a un autre remède qui peut t'aider? Quoi ça ressemble? Quelqu'un, il a une angine, il va voir l'angine, mais blanche, d'accord, partout. Le médecin, il dit, bon, prenez immédiatement antibiotique. Non, moi, je préfère prendre du jus de citron. D'accord, il va mourir. Le docteur t'a dit antibiotique. Hachem, que le docteur te dit, maintenant, il y a un seul truc contre ta maladie là, un seul truc, Torah. Torah assidue, forte, longue. Tu dis, non, je veux un autre truc. Casse-toi la tête. Oui. Est-ce que tout ce qui est marqué dans Zohar, les Zohar thérapiques, c'est calme aujourd'hui? Mais pourquoi pas? Ça rend bon. Et alors? Qui suis-je pour dire que c'est faux? Je pense que c'est la même chose. Ça se peut que Dieu a des circonstances atténuantes, et je pense, comme dit le Gaon de Vilna, un élève qui a lu Reshit Chochma, je pense que c'est un bouquin que vous pouvez avoir ici, là, de Moussard, qui est écrit par Rabbi Eliyahu de Vidash, qui cite beaucoup les Zohar. Et dedans, il y a certains traités Gehenam, traités de l'enfer, traités Rebout HaKever, ce qu'il y a dans la tombe, traités Kafakela, les âmes qui se baladent dans le monde, voilà, tout ça. Bon. Et il parle du Zohar, qui raconte les horreurs qui se passent, etc. Et l'élève du Gaon de Vilna, il a vu ça, il est tombé malade. Il a une dépression grave. Le Gaon est venu le voir, lui a dit, sache que tout ce qui est marqué, c'est vrai. Mais, un peu de souffrance dans ce monde, elle équivaut à beaucoup, beaucoup, beaucoup de toutes ces souffrances qu'il y a dans l'âme là-bas. Essayons, on souffre. Qui ne souffre pas aujourd'hui? Le monde, il est amer, mauvais, dur. La souffrance que les gens vivent, c'est une grande capara pour les péchés qui ont été faits. Mais déjà que le monde, il est dur comme ça, pourquoi rajouter encore plus de souffrance? Faites tchouva. Faisons tchouva. Et quelqu'un, c'est pas compliqué, il rentre dans la Torah. La Torah, elle est bonne. T'as dit hier, Yonatan, c'est agréable. Quelqu'un qui lit la Torah avec bonheur, avec joie, il répare. Elle rentre, ne sort pas du Seder. Hein? Sors pas longtemps. Pourquoi sortir longtemps? Tu dis que t'es en danger, t'es mal, t'es pas bien. Là, t'es comme un poisson dans l'eau, t'es au paradis ici. Vous comprenez que vous êtes au paradis là maintenant? C'est au paradis. À Yerushalayim, dans la Yeshiva, on t'en étudie la Torah de Dieu. T'as Abaye sur ta gauche, Rabba à ta droite.
et la shrina sur ta tête. Il dit, je vais sortir un peu. Pourquoi sortir? Il faut respirer un peu, mais tu reviens. Au bout d'un moment, tu rentres dans un train comme ça de sainteté, tu deviens invincible. Le feu de la Torah, il brûle tout. Possible. Si tu sors, tu commences à parler, ou tu écoutes des gens parler, c'est fichu, évidemment. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Mais l'erreur, c'est, je vous dis, je pouvais interdire toutes mes forces, d'accord, mais pas question de parler là-dessus. C'est un feu, c'est terrible. C'est un feu. Celui qui parle de ça, c'est un pécheur, il fait pécher les autres et il rendra compte sur son péché. C'est marqué Gado à la martyrium et tomarogo. C'est plus grave celui qui fait pécher un autre que celui qui parle, que celui qui le tue. Qui le tue. Je raconte souvent à l'échiva. Imagine maintenant que je te mets dans ta chambre maintenant quelqu'un, un voisin, bon, c'est un gentil garçon, bon, mais il est un peu dépravé, il va en boîte, tout ça, et le soir il te raconte quand il revient, ouais, j'ai dansé, machin, c'était bien, allez, bon. Mais il est sympa. Il est sympa. Je lui dis, t'accèdes à l'avoir dans ta chambre? Ouais, bon, ça va. Je vais le travailler, ça y est. Enfin, je te dis, il y a un autre qui vient. Bon, lui est très gentil, lui, alors, pas question, il ne va pas en boîte, mais lui, il a déjà assassiné 3 personnes qui l'avaient énervé. Des fois, il s'énerve, il est tranquille comme ça. Alors il s'est enfui de France, il est recherché par Interpol. Il est venu chez moi, il a dit qu'il fait tchouva et il pense pouvoir se retenir. Mais il m'a dit, il faut pas trop m'énerver parce que des fois je deviens incontrôlable. Tu le prends dans ta chambre? Et pourtant, Chazal témoigne que le premier est beaucoup plus grave que le deuxième. Gado la martyrio terme orgo, plus grave celui qui fait pécher son prochain que celui qui le tue. Et Chazal ne parle pas des guzmaot, des exemples exagérés. C'est une réalité. Parce que ici, tu le touches dans son monde d'éternité, et là, tu le touches que dans son corps qui est éphémère. Donc quelqu'un qui sait à l'échiva, il ose parler de filles en public, avec un autre copain dans la chambre, qui sache, c'est très, très grave. Comment tu veux résister à ça? Alors évidemment, tu touches un pied dans la touma, un pied dans la kedusha. Tu dis, dès que je sors, je suis dans la touma. Ouais, bien sûr. Deviens kadosh. Tu seras que mieux dans ta vie. Que mieux, de A à Z. Oui. Des fois, on discute avec quelqu'un, et c'est pas nous qui lançons la discussion, et ça discute de fin. Maintenant, on a deux choix. Cri. Ah. Non, on a deux choix. Soit on dit à la personne, arrête de parler de femme, c'est interdit et tout. Mais d'un côté, on dit qu'au fond, nous, on est pas, c'est un peu un rôle conjoint. On sait très bien qu'on n'est pas au niveau de dire à la personne. Enfin, on n'est pas au niveau que ça dérange vraiment la personne. Si je dis à la personne, ça me dérange, j'arrête. D'un côté, je sais que parce que je me conformais à la Torah, mais de l'autre côté, je sais qu'au fond, ça ne me dérange pas vraiment. Mon cher ami, tu dois t'asseoir avec toi-même et dire maintenant qui tu es, qu'est-ce que tu veux dans la vie. Qu'est-ce que je fais? Je veux faire mon bilan. Où sont mes péchés dans ma vie? Je vois là, j'ai un problème avec des filles, d'accord? J'ai un problème de pensée, etc. Je sais que quand je parle, ça reste après, ça alimente, c'est terrible les effets que ça a, c'est terrible. Décide ce que tu veux. Ou tu dis, moi je vais dans la Touma, et puis ok, je prends la responsabilité, ok. C'est pas forcément nous qui lançons la discussion. Pas facile, c'est vrai. C'est pas forcément nous qui lançons la discussion. J'ai compris, mais maintenant, quand tu dis, quelqu'un fait son bilan, ouais, aujourd'hui, voilà, j'ai parlé avec quelqu'un, c'est lui qui a lancé, et moi, j'ai pas eu la force de lui dire non, parce que je passais pour un idiot. Alors, est-ce que je dois passer pour un idiot maintenant, et je dois être un menteur avec moi-même, le bousiller lui, pour ses beaux yeux, ou je peux lui dire, écoute, on a les Shiva, moi, j'ai décidé d'arrêter, je suis un grand, lui, d'ailleurs, je lui fais une grande torcha, parce que lui, il va comprendre, si quoi, jaillisse lui-même, maintenant, fait choix, alors moi, c'est moi le crétin fini. Tu comprends, quand tu l'écoutes quelque part, Tu es ouvert l'hiver, tu transgresses l'interdit de faire un interdit à un juif, c'est l'ifné hiver ou mirchol. Tu mets un obstacle devant un aveugle. C'est un lave de raïta. Tu fais deux interdits. D'abord toi, tu te bousilles, ensuite maintenant le fait que tu l'écoutes, tu lui permets de parler, tu fais un autre interdit, de l'ifné hiver ou de mirchol. Donc tu l'encourages à faire cela. Pourquoi tu te bousilles? Pourquoi? Pour ses beaux yeux? Même si au fond de moi, je suis convaincu de l'interdit. J'ai bien compris. Alors, d'un côté, tu as une partie en toi, que ça y est, etc. Bon, d'un côté, ça fait plaisir de voir. Comme on ne veut pas regarder les films, on regarde un peu, on parle de Shonara, mais on parle un peu. D'un côté, tu n'as pas la force de lui dire. Il faut que tu décides maintenant, après coup, je me suis planté, j'ai mal agi, la prochaine fois, j'agis comme ça. Je dis, écoute, tu sais bien, viens, on est à la Shiva, je ne veux pas parler de ça. Voilà, gentiment. Pas crier, hurler, partir encore. Il va dire, t'es complètement fou. Tu peux lui dire, écoute, je veux pas de ça. Je veux pas, ça arrête, ça me fait des pollutions dans la tête, je veux pas, moi je veux être kadosh, etc. Tu fais un kiddush Hashem pour toi, tu lui fais du bien à lui, c'est une torrecha en passant, gentil. C'est excellent. C'est un devoir du bon juif. Ken. On a vu
compris que là, c'est la période des Shoel qui est importante. Mais quel est le rapport entre la sortie de l'Égypte? Qu'en Égypte, on a ramené toutes les étincelles qui étaient éparpillées, et quand nous, on utilise maintenant la force qui donne la vie, c'est-à-dire le Zera, quand on l'éparpille de façon non permise, alors on prend nos parties d'âme et on les éparpille aussi. Maintenant, c'est la période où on ramène tout. J'en profite pour vous dire que dans la prière, il y a un petit passage, quand on fait la 7, Géoula 8, 9, 10e, 10e bracha de la Amida. Teka b'shofar gadol. Le Herutenu, mais ça naisse. Ça naisse, c'est quoi ça naisse? C'est quoi un S? Hein? Un étendard. C'est pas le miracle, d'accord? Mais ça naisse. Lève l'étendard de la Géoula, les Kabetz Galioten, pour ramener nos exilés. Nos exilés, c'est quoi? C'est pas que les Juifs, c'est nos parties d'âme. J'ai expliqué hier que nous sommes partis en exil pour ramener nos parties d'âme, les étincelles de sainteté qui sont éparpillées. Quand quelqu'un l'a fait Zer la Batala, quand quelqu'un il a fait des bêtises avec sa brite, il a éparpillé sa force, son âme. Il y a des morceaux d'âme qui sont éparpillés un peu partout. À quand tu dis Kabetz Galiotenu, Merba Kenfota Aretz, c'est rajouté ici une petite prière qu'elle conseille de dire dans les Yemei Shovavim, qui est. Est-ce qu'elle est ici ou elle n'est pas? Voilà. Hier, Asum le Fanar Hashem Elokenu, Velakoravotenu. Qui est une volonté devant toi, notre Seigneur. Notre Dieu, Eloke Avotenu, Dieu de nos ancêtres. Chaque goutte et goutte, Shiatsa Mimene Batal, qui est sorti de moi-même de façon vaine, Ben Beones, que ce soit de façon malgré moi, Ben Beratson, volontaire, Ben Meshogeg, involontaire, Ben Mezid, de façon volontaire, mais exprès. Ben Er, que ce soit réveillé, Ben Yachek, que ce soit endormi, Ben Aliadi, Ben Yadi, que par moi-même, Ben Yadi Acherim, par d'autres, Shlo Ben Kom Mitzvah, pas un endroit de mitzvah, Asel Leman Shimcha, Gadol, Ayosel Mipasuk, fait Leman Shimcha pour la grandeur de ton nom, de ton grand nom, Ayosel Mipasuk, qui sort du verset, Chail, Bala, Vaikienu. Chail, c'est la puissance, la force. C'est notre force de mettre des enfants au monde. Bala, il a avalé. C'est le mal. Le mal, il vient déguisé en bonne femme. C'est le mal. Il vient déguisé en miss monde. Et hop, en la nuit, il te prend, ou en pensée, il te prend, d'accord, il vient en miss monde en pensée, et il te prend de ta force. Ha'il bala, la force bala qu'il a avalée, va'ikienu, et il a vomi. Si on prend les trois premières lettres, de ce mot, Haïl Bala, qui est de ce verset, ça fait Het, Bet et Vav, c'est un des noms de Dieu Kadosh. Meshubar, Shem, Het, Bet et Vav. D'accord? C'est le nom qui a aidé Amisal de sortir d'Égypte. C'est pourquoi que celui qui est, raconte la sortie d'Égypte, Marich, il raconte longtemps, Hareze, Meshubar. Le Ben Shari dit Meshubar, c'est les lettres du mot Shem, Het, Bet, Vav. Le nom. Chet bet vav. Chal, hail, bala, veikienu. Shderziren, limkoman, bimkom akodesh, que tu les ramènes à leur place dans la sainteté. Baruch ata Hashem, mekabetz nitre amo Israël. Et quand on dit mekabetz nitre amo Israël, on pense le même nom aussi. Mekabetz, d'abord aussi, quand on dit dans cette bracha, ce nom revient sans cesse. Vekabetzenu yahad, vekabetzenu mehera, yahad. Il faut penser le chet de yahad, mais arba, le bet de arba, kanfot vav. Het, Bet et Vav, ils sont marqués en gras dans le texte, dans le Sidour. Yechaven, Shem Kadosh, qu'ils pensent le nom saint, Het, Bet, Vav. Ça toute l'année. Plus maintenant. Hein? Meshubar, c'est Shem, Het, Bet, Vav. C'est la rachetéo de Chael, Baïla, Veikien. Et quand tu dis Baruch Ata Hashem, Mekabetz, Nitre, Amo, Israël, Mekabetz, Bet, Nitre, Het, Amo, Vav, Israël. De nouveau, tu as ces lettres qu'il faut penser. Bon, c'est un truc qui est bien. C'est en passant maintenant que je vous dis cela, vu qu'on parle de ramener toutes les étincelles. Hein? Ça aide à ramener, bien sûr. C'est une prière à Dieu. Bien sûr, ça aide. Ça aide. Tout aide. Tout aide. Tout aide. Oui. Alors, excuse-moi, je t'ai répondu par la question, tu as compris? Vu que maintenant, on lit dans les parachiotes l'histoire, comment Am Israël ont ramené les étincelles qu'il y avait en Égypte et l'ont rendu vide.
Nous, maintenant, ce sont les semaines où on doit travailler là-dessus pour rendre vide le Yetzer Hara, qu'il vomisse tout ce qu'il nous a pris et qu'il nous ramène tout. Parce que tout cela, c'est la fin. La fin, ça arrive au Beth Amikdash. D'accord ? Ken ? Ne pas marier, c'est d'augmenter la sensibilité à des choses qu'on n'aurait jamais été sensible auparavant. Par exemple, une fille, par exemple, vraiment, n'aurait jamais eu le Yetzer Hara de regarder. On est très sensible. Ouais. D'accord. Alors ? Que faire ? Alors, l'autre jour, on a parlé du principe spaghetti. On a passé aussi le principe Napoléon. Maintenant, on va parler du principe nicotine. Le principe nicotine est le suivant. Quelqu'un qui fume devient insensible à la cigarette. J'étais fumeur quand j'étais jeune. J'ai arrêté très tôt. Ma mère m'a attrapé en flagrant délit et ça s'est terminé par ça. D'accord. J'avais 12 ans. Elle était intelligente, elle m'a dit, je t'autorise de fumer. Mais fais simplement des respirations bien comme ça pour t'oxygéner les poumons. Vu qu'elle m'a autorisé, donc j'ai arrêté de fumer, c'était terminé, c'était... Bon. Et... Mais je fumais 20 cigarettes par jour. C'est une petite cigarette, on les a ensemble, il y a les trucs... Ouais, imagine une cigarette comme ça, on est précoce. D'accord. Comme ça, on fait des cigarettes. Et aujourd'hui, il m'arrive des fois de fumer quand les élèves m'y forcent à pourrir, d'accord. Je prends une taf, comment ça s'appelle ça, une taf. Et quand j'avale, je ressors par le nez, comme ça. Non, non. Jamais. Jamais goûté. Non, j'ai jamais goûté au shit, Baruch HaShem. Je sais pas quel goût ça a, Baruch HaShem. Eh bien, 2 minutes après, je suis par terre. Je sens que je m'enfonce dans le sol et je vois le monde en train de tourner comme ça. Une, comment on parle en termes... Taf, d'accord. Pas. D'accord, une bouffée de cigarette. D'après toi, hein, qu'est-ce que tu devrais faire? Parce que c'est terrible d'être sensible comme ça. Je passe là dans le couloir quand même avec la fumée, je sens mes poumons, je sens une oppression dans les poumons. J'ai pas beaucoup d'odorat, mais je sens dans les poumons, d'accord? Ça me fait mal aux poumons, je tousse un peu de fumée. Qu'est-ce que je devrais faire? Bah, fumer. Donc je vais fumer, je vais remplir mes poumons de nicotine, comme ça, je fume un peu, ça ne me fait rien du tout, d'accord. Simplement, après 50 ans, quand on fait une radio, c'est tout noir, je me lève le matin, je fais la toilette, blah, blah, d'accord, de toilette, terrible, et puis à 60 ans, on n'en parle plus, infarctus, d'accord. Donc, le principe de nicotine me dira qu'effectivement, plus tu te nettoies, plus tu deviens sensible. En brera, il n'y a pas le choix, parce que le choix, il est comme ça, ou tu t'enfonces et tu deviens un grand tamé, ou tu te sanctifies, tu deviens un hypersensible. La réponse, tu te sanctifies, tu deviens un hypersensible. Oui, et alors? Pardon? Beaucoup moins que ce qui se passera si je reste dans la Touma. En Touma, je ferai tout autant, et en pire. Et en pire. La question, c'est quelle est la différence entre celui qui va s'en faire un Touma et qui va réussir à... Que un est pur. Et l'autre est sale. Non, mais celui qui s'appelle un tournage, justement, qui ne voudra pas, justement, qui sera très sensible, il voudra regarder les femmes. Non, il voudra pas regarder. Il voudra pas regarder. Ça peut. Quand... Non. Non, non. Ce qui se passera, quand il verra, il sera plus sensibilisé. Mais pourquoi il est sensibilisé? Parce qu'il regarde beaucoup moins. Il n'a pas la même envie. Il fera attention. Quelqu'un qui n'est pas habitué, il regarde sans cesse, mais il ne se rend même pas compte qu'il regarde. Moi, regarder les femmes, jamais. Il fait ça toute la journée, mais il ne se rend même pas compte, parce qu'il est là-dedans. Mais si tu prends maintenant quelqu'un qui se travaille, chaque regard pour lui, il se rend compte, c'est une gifle, d'accord. C'est, ah, c'est pas bien, puis la vie, ça l'a touché, ça fait des pensées. Mais la différence entre l'un et l'autre, c'est que l'autre, il est malade, il ne sait pas qu'il est malade, donc il est mort déjà. Il est mort, il ne sent même plus. Un mort, c'est quelqu'un qui ne sent plus. Il est vivant. Et il est en guerre. Mais votre vivant en guerre, et se sanctifier et appeler par Dieu Kadosh, parce que tu es appelé Kadosh. Qui est en guerre. Personne ne promet ici sur terre le paradis. Tout ira bien, t'es là, terminé, il n'y a plus de bonnes femmes, il n'y a que la Kedusha. Non, on est en guerre. Mais t'es kadosh. C'est marqué que Dieu, il y a 3 personnes dont il se vante tous les jours. Un pauvre qui ne vole pas, le deuxième j'ai oublié, et je peux le rechercher, le troisième, un jeune homme qui est dans une ville et qui ne pêche pas. Il est tout seul, il n'est pas marié, il pourrait pêcher. Alors je me rappelle que Marat a raconté ça, le Rav, il a dit ça à ses élèves, puis les élèves, ils ont été tout heureux du genre, il n'est pas comme vous. Je parle comme les rabbanim d'Israël, qui eux, ils étaient cordonniers, et ils faisaient des chaussures pour les prostituées,
Et les prostituées, voyez, ils étaient des beaux gosses et des jeunes gens. Alors elles aidaient avant, eux ne regardaient pas, vous avez que la chaussure comme ça, ils ne voulaient pas regarder. Ça, ils se vantent. Alors aujourd'hui, c'est la même chose. Quelqu'un qui sait à l'Eshiva et qui peut aller, viens, elle ne fait pas le lourd, allez, la conférence de Rabiton samedi soir, on va y Ben Yehuda ça samedi soir, d'accord. Et il va là-bas, il rentre dans l'enfer, Hachem Ishmerenu. Sachez qu'il y a une ville sainte, une seule ville sainte dans le monde, c'est Yerushalayim et Rakodesh. Et la Touma a réussi à faire qu'il y ait dans cette ville un îlot de Touma, c'est Ben Yehuda. Parce qu'à part ça, c'est Kadosh. En gros, c'est Kadosh. Il y a un îlot de Touma et des miskenim, des bons garçons, même des fois en yeshivot, ils vont là-bas, Hachem Ishmor, ils aident aussi Trahra. La guerre maintenant dans le monde, elle est pour Yerushalayim. La guerre, hein? Le canyon, ok, et le nouveau, aussi l'autre là, comment il s'appelle près de la vieille ville. Mamila, d'accord. Le monde entier est en train de tourner sur ses yeux vers ce bled qui, il y a encore 60 ans, personne ne regardait. Est-ce que tu construis une maison, tu ne construis pas une maison? On fait 10 maisons ici à Shoafat à côté, dans le quartier juif, Rechet Shlomo, le monde entier se met à hurler. Ça va, basta, c'est ma ville, on veut rentrer. C'est clair que la bataille, elle est là, parce que c'est là que le temple va être, et les ministres des nations, les anges, sentent que bientôt c'est la fin, donc ils mettent tout, c'est la bagarre terrible. Et maintenant, il faut du mérite pour que nous, on ait Yerushalayim. Et on est un Am Kadosh qui revient. Yaakov, il nous revient d'exil, après 2000 ans. J'étais avec Lavan et Tariag Mitzvot Shamarti. C'est que je fais attention, je reste un bon juif. Et le Sitracha, le mal, le mal le plus mal qu'il a réussi à faire, inoculé dans Yerushalayim maintenant, 500 petits jeunes gens misquinés avec des bonnes femmes qui vont là-bas, Ben Yehuda, Hachem, Ishmor, que c'est l'enfer, ça sent l'enfer, là-bas, je ne sais pas où tu vas aller, à Géoula, ça va encore aller, mais Ben Yehuda. C'est réducteur, est-ce que ça veut dire que parce que je vais à Malcha, eh ben, je suis... T'es en danger. Je suis en danger, mais ça dépend quand tu y vas. Tu vas maintenant à 10h du matin, hein, tu vas samedi soir, c'est autre chose. Si ben, je veux sortir et que je veux voir autre chose, parce que toute la journée... Tu vas pas là-bas, va pas là-bas. Ça ne manque pas d'autres ans, tu veux aller que là-bas, tu peux aller. Va à Géoula, c'est moins grave. Va à Machari, c'est moins grave. Va à côté. Je suis Gaïa, je vais voir les livres et je ressors. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux voir? Non, mais c'est pas pour. C'est ce que je vous dis. Des jambes? Non, qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir? Pourquoi on fait ce constat tout de suite qui réduit les choses? C'est-à-dire que moi, je sens que quand je vais essayer de faire Malfa ou si je vais à Malia, je vais manger une crêpe, j'arrive quand même à faire abstraction? Non. Non, fais pas abstraction, mon cher ami. Fais pas abstraction. C'est que t'es un nicotiné et t'es insensible. Vous m'auriez dit ça il y a un an et demi, je vous aurais dit ouais, et j'aurais pas accepté. Maintenant, quand je vais là-bas, je vais prendre une crêpe, je fais attention à mes yeux, je fais super attention. C'est sûr qu'il y a certains moments, il faut pas répéter tout le temps. Mon cher ami, d'accord. J'ai 50 ans, je suis 7 fois grand-père, d'accord. Je suis à moitié myope aussi, d'accord. Et si je vais manger une crêpe à Mamila, ça prendra des semaines à m'en remettre. Maintenant, ça c'est moi. Il y en a un autre qui s'appelle Rav Eliaou Lapian, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, qui a écrit un bouquin ici, on l'a aussi, qui s'appelle Lev Eliaou, et qui raconte qu'un beau jour, un jeune homme, là j'y vais sorti dans la rue, pas à Malcha, et pas à Ben Yehuda, Hachem Ishmerenu, dans la rue. Le Rav a dit, fais attention, il dit, moi ça me fait rien. Ah, t'es étonné. C'est parce que je dis. Qu'est-ce que tu as dit? Il faut voir selon la situation et selon si je vais manger une crêpe de temps en temps. Tu fais abstraction. Ouais. Le gosse lui a dit, je fais abstraction. Ça me fait rien, ça me fait je fais abstraction. Elle dit, je comprends pas. Moi, j'ai 80 ans. Je suis borgne d'un œil. C'est un très grand étudiant en Torah. Il étudie un jour. C'est essentiellement concentré. Paf, ça fait sauter la veine qui amène du sang à son œil. Il est devenu borgne. C'était un grand sage d'Israël, d'accord. Il dit, j'ai 80 ans. Je suis borne d'un œil, myope de l'autre. Et moi, quand je sens la rue, je me mets à trembler, tellement le SRA, il est fort. Tu me dis, toi, jeune homme de 20 ans, pas marié, tu fais abstraction. Je comprends pas. Pas ma sensibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant alimenté toute la journée sans cesse, enfin, dans une certaine mesure de nicotine, avant Yerashiva, c'était 20 cigarettes par jour, maintenant, c'est 5 cigarettes par jour. Mais ces 5 maintenant, elles font que quand il va fumer, de temps en temps, il a besoin encore de fumer quelques-unes, et ça ne lui fait rien. C'est que d'un côté d'aller à Géoula, ça ne me satisfait pas, parce que j'ai rien à faire là-bas. Je tourne, je fais rien. Attends, tu veux manger une crêpe? Oui, donc c'est pour ça que je vous dis que ce que je fais, c'est que... Sois amétique, qu'est-ce que tu cherches là-bas plus qu'à notre endroit? Je suis sûr, je peux vous mettre la main sur ces vertorales. Quand je vais là-bas, je fais attention à mes yeux. Tu cherches quoi là-bas? Qu'est-ce que tu cherches? Tu fais attention à tes oreilles aussi? Moi, je pour voir quelque chose qui bouge.
Géoula, ça bouge pas? Non, mais pour voir, pour avoir une ambiance qui est un peu proche de ce que j'ai toujours connu. Non, mais. Non, non, mais à Ramot, t'as deux pelés trois tendus. Géoula, c'est la même chose, il n'y a rien qui change. Ah, c'est ça, c'est ça. Donc tu veux voir maintenant du côté de monde à côté. Trilo, voilà, ok, voilà, c'est ça. Tu veux sortir hors du monde de la Kedusha, parce qu'il y a un odorat. Moi, quand je passe en voiture, les yeux fermés, je passe de Ben Yehuda dans mes Hacharim, on sent une différence. Tu as besoin de sortir de la Kedusha avec quelques bouffées de Touma. C'est ça, t'adore. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Il y a des gens à qui c'est nécessaire, des nouvelles chivales, genre, vas-y, dégage, je vais prendre un peu de Touma. Tu ne peux pas maintenant rester, on ne peut pas faire une désintox d'un coup trop fort, on donne un peu de méthadone à la place. Ok, mais au bout d'un moment, on espère que le type maintenant, il est en train de faire sa désintox, et il peut survivre sans méthadone. Parce que vous, la seule conclusion que vous faites, c'est que quand on sort forcément, puis la femme est dans la... Ça dépend où on sort, mais c'est quoi l'autre chose on te dit? Toi, tu dis, je vais aller dans un endroit maintenant qui est un endroit où il y a des gens qui sont mal habillés. Des endroits où ils sont des rilos, comme tu me dis, il y a de la musique interdite, il y a des rires interdits, il y a des cris interdits, il y a des mots interdits, il y a des odeurs interdites. Tout ça, il y a là-bas. À Géoula, il peut y avoir, mais beaucoup, beaucoup moins. Pourquoi tu vas là-bas alors que tu peux aller ici? Moi, je dis, tu as besoin d'en faire, c'est tout. Parce que là-bas, je vais à Géoula là-bas, je suis frustré, ça ne change pas de cet endroit. Mais frustré de quoi? Donc, tu as besoin de... Tu es frustré! Ce que tu as... C'est juste. Le changement que tu cherches, c'est la Touma. Il y a différents niveaux dans la Touma, ça veut dire ouais. Que même si je vais là pour regarder... T'es pas en boîte, je suis d'accord, t'es pas en boîte, t'es pas parlé avec des filles. Un changement. Regarde, alors ce que je dis, au lieu d'être maintenant accro à la synagogue, à la cigarette, 20 cigarettes par jour, t'es accro à 5, t'es accro à 2, mais t'es accro. Il te faut ta dose de nicotine quotidienne, d'accord? Hebdomadaire. Regarde. Soyons le plus amétis possible, d'accord? On est sur terre pour faire son Hachem. Ce dont tu parles, tu me dis maintenant, voilà, il y a la Touma. C'est clair que ce monde là-bas, c'est la Touma. Tu as Touma plus forte qui est la boîte, tu as Touma moins forte, tournée sans rien regarder. Mais c'est quand même être en contact, être baigné là-bas. C'est moins grave, je suis d'accord, mais c'est quand même de la Touma. Tu me dis, j'ai besoin de voir autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai besoin de me changer les idées. Ça veut dire, tu as besoin de rentrer là-bas. Est-ce que c'est compatible avec son Hachem, oui ou non? Alors, quelqu'un qui a besoin de ça, et sans ça, il pète un câble, alors on lui dira, moi, je dirais, un nouveau qui vient à Shiva ici, va de temps en temps, parce que tu ne peux pas tout faire des atox d'un coup, draconienne. Mais quelqu'un, évidemment, qui est ici, maintenant, ça devient maintenant sa drogue. Il a besoin, de temps en temps, d'aller goûter un peu de Touma. Ça veut dire, il dit à Dieu, écoute, pas trop. Moi, je veux un peu rester dans ton... Je veux un pied dans la Touma. C'est certain que c'est contraire à son Hachem. Je ne dis pas trop, c'est qu'il dit que globalement je veux que toi Dieu, mais je veux une petite parcelle qui permet de garder les pieds sur terre, c'est tout. Mais globalement je veux... C'est un mensonge. C'est un mensonge de dire qu'on a, pour avoir les pieds sur terre, et on a besoin de Touma. Je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a des milliers de gens qui ont les pieds sur terre. Non, parce que toi tu dis maintenant, la normalité, le voir autre chose, avoir les pieds sur terre, c'est aller dans la Touma. Non, la Touma, elle est ce qu'elle est. Il faut l'appeler comme elle est. C'est le Sitrachra. C'est le monde qui va disparaître quand ma chair viendra, c'est tout ce que Dieu a en horreur. C'est ça, il ne faut pas appeler autre chose que ce que c'est. Tu dis seulement que tu as besoin un peu de ça. Ok, il faut voir, est-ce que c'est nécessaire pour toi, ou bien maintenant c'est déjà une mauvaise habitude. Au bout d'un certain moment à l'échiva, ça devient une mauvaise habitude, c'est clair. Toi, tu m'attends, pour légitimer ça, tu vas appeler ça maintenant avoir les pieds sur terre. Désolé, ce n'est pas ça les pieds sur terre. Ce n'est pas aller manger une crêpe à Kanou Malgré qui s'appelle avoir les pieds sur terre. C'est pas du tout ça. Les pieds sur terre sont contents de savoir où est la vérité, où est le mensonge. Alors pas devenir un illuminé. Ça, c'est un type qui est complètement à côté de la plaque. Mais tu peux rester quelqu'un tout à fait sensé, qui se passe dans le monde, droit, mais dans la Kedusha. Et pas goûter à la Touma. Ah, ça demande, oui. Dire à ma mauvaise habitude, halte. C'est un sevrage. Oui, absolument. Comme arrêter de fumer. Oui, c'est pas facile. D'accord avec toi. Mais il faut bien arriver un bon jour. Pas commencer à dire, c'est bon pour la santé de temps en temps, comme ça quand je sens la cigarette près de moi, je tombe pas dans les pommes. Non mon cher monsieur, non, je suis pas d'accord avec toi. Comme le régime, hein, comme les gens prennent fond en régime. Quelqu'un qui est sérieux ici comme il faut, il va y perdre ses grandis. C'est certain. Des fois, il veut la Touma. Il y en a qui disent, et ça j'en ai eu beaucoup, qui disent, moi je pars en France, avec toutes les meilleures raisons du monde. Mais des raisons super kadosh. Derrière, il y a la vraie raison. D'accord? Je veux pas la Kedusha, je veux la Touma. C'est ça la vraie raison qui est derrière. S'habiller par 40 000 choses, il me faut un diplôme, il me faut un travail, il y a mes parents, il y a machin. Je touillote. Quand on sait maintenant les dangers qu'il y a là-bas, c'est-à-dire que je sais et je veux. C'est ça qu'il veut. Il ne veut pas aller à l'échiva. D'accord? Ça arrive.
Mais pas commencer maintenant à dire, s'il y a trop de Kdoucha, je vais péter un câble. C'est faux. C'est vrai qu'il faut équilibrer. Mais commencer à ne plus aller dans ces endroits-là, c'est pas déséquilibré. C'est équilibré. Les deux, trois premiers mois de quelqu'un qui vient ici, ok, c'est à dire, rentre ici, il va péter un câble. Je suis d'accord avec lui, vas-y, vas-y, je ferme les yeux. Mais après trois mois, ça va, ça va, ça va. Je suis convaincu, je sais ce que je dis est vrai. Et ne vous mentez pas. Le tsar, il est fort. Comprenez que c'est pas pour rien qu'il y a un Ben Yehuda ici. C'est très important pour la survie du monde de la Touma, qui est ce coin-là. Donc il faut absolument qu'il y ait maintenant des anges, des démons qui viennent, qui poussent les gens à y aller. Et si vous sentirez chez vous, tout à coup, une pulsion dingue d'aller là-bas. C'est une pulsion anormale. C'est une pulsion anormale. Comprenez que vous êtes attiré par le Sitra Achra très très fort. C'est une pulsion de démon, à Shemishmor. C'est vraiment comme ça. Maintenant quoi? Je veux dire quoi alors? Je suis Sitra Achra? Non, j'ai besoin, c'est bien. Allez, sois pas trop sadique. J'ai vu des gens qui étaient, si on fait trop, après on pète. C'est des arguments bidons. Des arguments bidons du Yetzer Hara. Vraiment bidons. Dis sincèrement, je veux pas être dans la Kedusha. Je veux pas la Kedusha. Ça, c'est légitime. Mais dis pas après, je suis dans la Kedusha, mais il faut aussi ça. Ça, c'est faux. Je veux pas la Kedusha. Oh là là, Baruch Adonai, Amen.